Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, en Arabie Saoudite, la nomination d'un nouveau prince héritier, considéré par certains comme libéral, suscite certains espoirs en matière de droits des femmes. Mais on part de loin, de très loin. Faut-il le rappeler, les Saoudiennes n'ont pas le droit de conduire et sont, à quelques exceptions près, littéralement sous tutelle. Quelles perspectives de progrès? Nous verrons cela avec Clarence Rodriguez, qui a été correspondante pendant 12 ans à Riyad. Chaque année dans le monde, entre 10 et 15 millions de filles sont mariées avant 18 ans, des mariages précoces, parfois très précoces et forcés. Une photographe documente ces destins tragiques et révoltants. Elle expose en ce moment à Paris. Mais pour commencer donc, direction l'Arabie Saoudite, où nos reporters Marc Perelman et Georges Yazbek sont allés enquêter sur la vie des femmes. Regardez un extrait de leur reportage. Plus que la politique, c'est la fin de l'ère du tout pétrole qui favorise l'émancipation des femmes. Le plan Vision 2030, lancé l'an dernier, prévoit que la part des femmes dans la population active passe de 22 à 30% d'ici 12 ans. Ces derniers mois, des femmes ont pour la première fois été nommées à la tête de la bourse et d'une des principales banques du pays. Lorsque Sarah Al-Ayed a lancé sa société de relations publiques il y a presque 20 ans, elle était une exception. Plus maintenant. Aujourd'hui, avec le prix du pétrole, il faut que les femmes s'émancipent économiquement. Maintenant, il y a beaucoup de familles avec deux salaires. Les femmes ne peuvent travailler que dans certains secteurs de l'industrie. Nous devons leur ouvrir des portes et leur donner une chance. Pourquoi le monde du travail est-il réservé aux hommes et ne permet pas aux femmes d'élargir leur champ d'activité? Sarah est aussi, chose rare, une mère divorcée qui a obtenu la garde de sa fille. Un petit pas en avant dans ce pays classé 141e sur 144 au palmarès de l'égalité homme-femme, établi chaque année par le Forum économique mondial. Un immeuble anodin dans une rue calme de Jeddah. Flag, Fight Like a Girl. Un club de boxe exclusivement féminin. Ambiance californienne. C'est là-bas que Ala Alamrani a appris à se battre, notamment contre les interdits. Mon rôle dans la promotion de ce sport est extrêmement important. D'autant plus qu'il y a un tel tabou qu'une femme soit une boxeuse ou une kickboxeuse. Je reçois beaucoup de questions intéressantes de gens qui pensent que si je suis une femme pratiquant ou enseignant un sport de combat, quelque chose a dû m'arriver quand j'étais enfant, que j'ai beaucoup souffert pendant mon enfance. C'est très triste de constater que très peu de gens acceptent le simple fait que je suis une femme qui fait du sport de combat ou qui l'enseigne. Dans les écoles publiques, le sport est interdit aux filles. Mais en début d'année, les autorités ont annoncé l'ouverture de clubs de sport pour les femmes, officialisant ce qui se passait déjà discrètement dans des endroits comme celui-ci. Voilà, et l'intégralité de ce reportage est à découvrir dans la case reporter de France 24. Clarence Rodriguez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez été 12 ans correspondante à Riyad, vous avez publié La Révolution sous le voile et en octobre, vous publiez Arabie Saoudite 3.0 aux éditions Éric Bonnier sur la jeunesse saoudienne. Alors, des femmes saoudiennes, on a l'image de femmes voilées qui n'ont quasiment aucun droit, notamment pas le droit de conduire. On voit dans ce reportage qu'il y a des petits champs. Et effectivement, depuis quelques années, il y a des changements. Il y a maintenant un nouveau prince héritier, Mohamed Ben Salman, qui est considéré par certains comme un libéral, qui veut faire bouger les choses, en tout cas mettre les femmes au travail, 30%. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut vraiment attendre à ce qu'il insuffle une certaine dynamique en matière de droits des femmes? Alors effectivement, Mohamed Bin Salman, que l'on surnomme également MBS, alors incarne effectivement... de l'espoir, parce qu'il est jeune, il a 31 ans, mais il incarne cet espoir auprès de la jeunesse saoudienne. C'est même, je veux dire, il est idolâtré. Sauf que, si vous voulez, l'espoir, oui, tout le monde veut y croire, sauf que, si vous voulez, il ne peut pas aller à l'encontre de cette mentalité saoudienne qui est
ultra-conservatrice. Et il y a aussi des institutions qui freinent les changements. Les oulémas, effectivement. Et là, vous savez, depuis avril 2016, il a donné moins de pouvoir aux religieux, la Motawa. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Oui, forcément, parce que forcément, il y a moins de poids de cette police religieuse sur la population saoudienne. Mais d'un autre côté, vous savez, un roi en Arabie saoudite doit tenir compte du consensus, c'est-à-dire tenir compte des oulémas, des religieux, des tribus, des hommes d'affaires, des femmes aussi. Et effectivement, en ce qui concerne donc les femmes, il y a un espoir. Mais encore une fois, moi, on va attendre un petit peu. Moi, l'espoir, très bien. Mais concrètement, vous savez, on annonce beaucoup de réformes, de choses qui peuvent se passer. C'est très bien, parce que depuis en 10 ans, moi, je m'en suis rendu compte en vivant en Arabie saoudite, le pas de géant qu'ont effectué les femmes saoudiennes. Et tout ça, si vous voulez, dans cette marche silencieuse, encore une fois, ça ne se fait pas d'une façon ostentatoire là-bas. Tout se fait un petit peu, si vous voulez, d'une façon étouffée, sous le voile. Et c'est vrai que ça avance. Les femmes peuvent être avocates. Vous voyez, les femmes sont directrices de marketing, les femmes font du sport, on l'a vu dans le reportage. Même si ce n'est pas forcément représentatif de la situation absolument. Des femmes saoudiennes. Mais vous savez, les femmes qui participent aux réformes, elles ne sont pas forcément représentatives, parce que c'est une minorité, il faut bien le dire, de femmes qui souhaitent jouer un rôle important et actif dans la société. Alors, vous l'avez dit, certaines femmes sont avocates ou même dans des banques. En principe, il n'y a pas de mixité en Arabie saoudite. Alors, comment ça se gère au quotidien, ces relations? Alors, effectivement, donc, j'ai envie de dire, dans l'absolu, la mixité n'existe pas, sauf que dans les entreprises, alors c'est vrai qu'il y a des bureaux qui sont réservés aux femmes, etc. Mais vous savez, dans la réalité, il y a mixité. Et c'est là où, si vous voulez, il y a toute cette ambiguïté, cette hypocrisie aussi dans le pays. Il faut le dire, je veux dire, il ne faut pas non plus... Il y a une espèce de schizophrénie dans ce pays. En fait, c'est le pays des interdits, mais c'est le pays aussi où il se passe beaucoup de choses, et notamment dans les bureaux, parce que c'est vrai que les femmes côtoient les hommes. Finalement, elle côtoie les hommes. Rapidement, un dernier point. L'Arabie saoudite a été nommée à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Ça a provoqué un scandale, notamment à cause des droits des femmes aussi. Qu'est-ce qu'elle y fait? Comment est-ce qu'elle y est parvenue, en fait? Alors oui, c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, l'Arabie saoudite fait partie de cette Commission des droits de l'homme. Mais il y a eu, si vous voulez, un échange de garanties. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ça. 15 jours après, le roi Salman a pris la décision, par décret royal, d'autoriser les femmes à effectuer des démarches administratives sans le tuteur. Et ça, c'est quand même très important. Parce que le principe du tuteur, c'est que donc, en principe, une femme doit demander soit à son mari, à son père ou même à son fils de faire un certain nombre de démarches. Absolument. Et la femme en Arabie saoudite n'a aucun droit. Elle est inféodée à un tuteur, donc effectivement, qui est un membre de la famille, y compris les femmes veuves, elles sont inféodées au fils. Voilà, et pour en savoir plus sur la vie des Saoudiennes, je renvoie à votre ouvrage « La révolution sous le voile » ou encore en octobre, ouvrage à paraître « L'Arabie saoudite 3.0 » aux éditions Éric Bonnier. Merci beaucoup Clarence Rodriguez d'avoir été avec nous. Merci. Les mariages précoces et forcés sont un fléau qui concerne de 10 à 15 millions de filles chaque année dans le monde. La photographe Stéphanie Sinclair s'intéresse à leur sort depuis de nombreuses années. Elle expose cet été à l'Arche du photojournalisme, nouvel espace d'exposition à la Défense. Reportage d'Olivia Salazar et Florence Gaillard. En Afghanistan, au Yémen, au Guatemala et même aux États-Unis, des petites filles mariées contre leur volonté. D'après Amnesty International, ces épouses de moins de 18 ans sont au nombre de 10 millions chaque année. Le point commun entre toutes ces filles, c'est qu'elles ont vu leur enfance écourtée et qu'on les a forcées à devenir des adultes à un âge très jeune. Violences sexuelles, grossesse précoce, déscolarisation. Derrière ces visages enfantins se cachent des parcours tourmentés, parfois héroïques. Najoud a été mariée quand elle était toute petite. À 10 ans, elle était fatiguée d'être abusée par son mari et je ne sais pas comment, elle a eu la présence d'esprit et le courage d'aller au tribunal toute seule pour demander le divorce. En agissant ainsi, elle a littéralement secoué la société yéménite. Aux États-Unis, Stéphanie Sinclair a photographié des mormons, certains condamnés pour union de mineurs ou pour polygamie.
Les mariages forcés ne sont donc pas l'apanage d'un pays, d'une culture ou d'une religion, mais plutôt le symptôme de la pauvreté. Au Népal, les séismes de 2015 ont plongé beaucoup de villages dans la misère et les filles représentent une charge pour leurs parents. Cela fait 15 ans que je travaille sur ce projet et je ne crois toujours pas que les parents soient mal intentionnés. Je pense simplement qu'ils ne réalisent pas à quel point cette situation peut abîmer leurs filles. Une fois déscolarisées, elles ne peuvent plus participer à la vie économique de la communauté et cela mène à toujours plus de violence. Des photos et des vidéos témoignages qui transmettent un message. Mais Stéphanie Sinclair ne s'arrête pas là. Il y a 5 ans, elle a créé une ONG qui défend les droits des filles pour que celles-ci profitent de leur enfance quelques années de plus. Avant de nous quitter, un mot pour vous signaler la sortie sur les écrans en France de « I am not Madame Bovary » de Feng Xiaogang, l'histoire d'une jeune villageoise qui tente de faire annuler son divorce et rétablir sa réputation. Un film très singulier et satirique sur les rapports de force dans la société chinoise, notamment sur la condition des femmes, les femmes dont Mao disait qu'elles portent la moitié du ciel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.